Voilà, donc c'est parti pour la première journée de rando. On vient d'arriver en voiture et là, opération délestage. Et vous êtes grave. Heureusement qu'on est venu avant là quand même. On a pas commencé à marcher. Il vide déjà le sac. Oh, ça j'en veux pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais attends, je vais te mettre dedans. Donc Jean-Paul qui commence à enlever ses affaires. Alors là, vous voyez mon sac à dos. Ben lui, il repart dans le coffre de la voiture direct. Voilà, le sac de Christiane. Il est pas beau ce sac. Ah, il est mignon. À 15 hein. kilos. Par contre, moi, je peux rien enlever. Hein. Je suis désolée. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier jour, Mimi. Tu vas repartir avec la moitié des sacs dans le coffre. Qu'est-ce que vous voulez que j'enlève? Moi, j'ai rien enlevé. Hein. Voilà, nom de ça, Dieu. On en avait 5, hein. Point de départ, ouais. Point de départ, l'échappieux. Voilà. Ah, si tu commences le dessus. Si tu commences déjà à faire le camp devant matin, Philippe. Voilà. Heureusement que Philippe est là. Hein. Bon, je suis pour le droit des femmes. La pause casse-croûte.
T'as vu les tables sur les skis? Hein? Et voilà le Mont Blanc. Nous avons toutes formes de Mont Blanc. Pour les 5 kilos de Philippe. Première halte de la journée. Petit réconfort. Il a triché, il a mangé sa crème déjà. Et c'est que le troisième déjà. Oh nom de Dieu. Courmayeur City. Bon, vous êtes bientôt arrivé. Tu n'es pas redescendu ? Hein ? Tu n'es pas redescendu ? Si, si. Non. Allez, encore un quart d'heure de marche. Super beau, là. Hola, ¿qué tal, muchacha? Piano, piano. Piano, sì, mo. On voit un peu de un glacier, c'est l'aiguille des glaciers, à 3817 mètres. Ensuite, dans cette direction-là, c'est l'aiguille noire de Petré, à 3773 mètres. Ensuite, ici, le Mont Boudy à 4468 mètres. Le Mont Blanc du Tacu. Ensuite, la Dent du Géant à 4014 mètres. Et les Grandes Jorasses à 4206 mètres. Col de la Seigne en face et deux touristes français en train de prendre des photos. Ah ah ah. Où est Titi? Titi?
Et voilà les trailers de l'UTMB. Avec en tête Christiane de la French Team Bourg-Saint-Maurice. Allez, vous êtes bientôt arrivés, plus de 242 km. Allez, on se bouge, allez, hop. Voilà, ça c'est bon. Ils viennent de faire 100 km en courant comme ça déjà. Ça c'est beau. On applaudit. Premier repas bivouac. Papa, gastronomie. Vas-y. Pasta au thon et à l'œil. Avec pois chiches, parmesan. Impeccable. Impeccable bien. Mmh. Voilà, soleil se couche. Il est merci au pisto. Hein. Merci au pisto. Ouais. Bon, enfin, c'est la Richo qui a tout fait. Hein. Pisto Philippe, merci. Heureusement que le pisto était là. Mmh. 6h du matin, le renard est passé par là. Alors, que s'est-il passé? Il est venu me gratouiller les pieds. Il a piqué la bouteille à Jean-Paul et il s'est barré. Il s'est barré avec la bouteille d'eau de Jean-Paul. Qu'a pu-t-il faire d'une bouteille d'eau qu'il a retrouvée? C'est ça, mon petit déjeuner. Le petit déjeuner à 6h du mat. Boubli boulka de céréales. Donc le renard est passé aussi ici parce que on avait posé sur la hauteur un petit sac poubelle qui a disparu. Et voilà le super temps qu'on a aujourd'hui. Ça, on a du bois, là. Attends l'éclair. Ça y est, ça commence à... Juste pour le son. Hein? Bon alors, hein? Merci Christiane. Hein? Bilan. Merci Christiane. Levé à 5h. Hein? Descendu à 6h30 au refuge. 6h35 au rage. Ça sert d'avoir l'habitude de se lever de bonne heure. Hein? Hey Christiane.
Hasard. Là, t'es plus dans le cadre. Allez, continue. Hola, ¿qué tal? Hola. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pianissimo. Pianissimo, ça c'est sûr. Là, c'est plus que piano, piano. Alors, objectif, hein, arriver, on va partir d'en bas. En bas. Arriver, peut-être là-haut. Est-ce que vous entendez, c'est l'orage. Est-ce que vous entendez, c'est l'orage, les éclairs. Touche la pierre, va toucher la stèle. Va la toucher là. Là, ici, là, touche là. Touche. Voilà. Bravissimo. Suisse. Et non, c'est pas Philippe qui vient de passer. Putain, j'y crois pas, là. Thank you.
On arrive enfin. De bus, d'échange. Au bon abri. En direct de Haute Parenthèse, Christiane, la journaliste de l'UTMB. Je suis fatiguée. Fatiguée.